de ce midi, tomate mozza. C'est pas moi qui ai préparé, c'est mon chéri qui m'a préparé à manger aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit masque. Et personne n'allait découvrir ce. Bon, les finitions sont pas non plus folles. Ça va, c'est pas non plus dégueulasse. Mise en 2010, le sergent Kevin Conklin a été transféré à Bangor. Il avait grandi un peu à l'extérieur de la ville et a porté un regard nouveau sur la quête. Comme il venait de la région, la communauté lui faisait confiance. Je suis très content de travailler dans la ville de Bangor. Je connais beaucoup de monde ici, que ce soit parmi les habitants et les forces de l'ordre. Plutôt que m'appeler inspecteur Conklin, il me dit Kevin, tu vas me donner au fil à combien? La première mission qui s'était donnée l'inspecteur Conklin était de résoudre. J'ai pas fait avec élastique. Il a repris le dossier depuis le début et s'est focalisé sur deux. Parce que j'avais que des gros super épées d'élastique, donc j'ai pas fait avec. Randy Nolan a été la première personne. Mais j'aime bien. Donc ouais, c'est fait avec un vieux pantalon de pyjama. Donc ça, le truc rose, c'est un vieux pantalon de pyjama. Et
L'intérieur, je l'ai fait avec un jogging. Relation sexuelle entre les deux jeunes gens. Voilà. Je trouve ça pas le mal. Le second suspect était Rébéric. Suite à l'enquête. Je suis plutôt contente. Et si je veux pas la dentelle, je peux mettre dans ce sens-là. L'inspecteur Ray et Randy ont tous les deux la même intention. Ils voulaient tenir Christopher éloigné de Christine. Voilà. Mais lequel des deux avait le plus envie de le voir disparaître? Bon, j'ai mis longtemps. Mais en même temps, j'ai fait les petites cordelettes sur le côté. Je les ai fait à la main parce que j'arrivais pas à les coudre à la machine. Qui résoudrait l'enquête. Mais bon, c'est pas grave, je suis contente. Les choses, c'est clair. Voilà, voilà. Ça n'a rien à voir avec la chance.